es différent. Et les gens ont peur de ce qui est différent. Tu crois qu'en te laissant faire, ils finiront par t'accepter, qu'ils arrêteront de s'en prendre à toi, de te traiter de bizarre. Tu veux être une victime ou pas? C'est ton choix. Votre fils est un jeune homme remarquable. Il a probablement plus de choses en commun avec Einstein, Mozart et Picasso qu'avec vous et moi. Il a des facultés mentales supérieures à la moyenne. Et une personnalité obsessionnelle. Est-ce qu'il pourra mener une vie normale? Qu'entendez-vous par normal? Il peut sans doute accomplir plus qu'on ne l'imagine. Si vous étiez à la tête du cartel de Sinaloa, à qui demanderiez-vous de retrouver l'argent volé? Il est capable de s'introduire en douce, d'analyser des années de dossiers financiers et de ressortir vivant. Imaginez tous les secrets qu'il détient. Qui êtes-vous? Est-ce qu'il pourra mener une vie normale? Qu'entendez-vous par normal?